Coucou les fanzinotes! Salut! J'espère que vous allez bien! Nous, ça va! Ouais. Alors aujourd'hui, on vient vous voir avec un nouveau hall. Donc, un hall pour ceux qui habitent dans notre coin, peut-être tout connaîtront, qui a des stocks. Donc, c'est un déstockeur. Le Clear Drive. Bon, ça, il y en a un peu partout, je pense, hein. Et à la fin, une petite dernière, parce que hier c'était journée shopping, on vous montrera ce qu'on a fait à la fin. Voilà. Donc, ben, on va commencer par Cadestock. Donc, j'ai mes petits lapinous qui aiment manger la tapisserie près de la litière. Donc, c'est pas très joli, n'est-ce Ouais. pas? C'est Ça sûr. fait plouc, hein, quand même. De suite, je me suis dit, ouais, si je remets du nouveau papier, en même temps, ça sera la même merde. Donc, on va chez Cadestock et je trouve du Velleda, mais aspect mur, quoi. Donc, là, regardez derrière le canapé, ça fait à peu près ça. Donc, je me suis dit que la petite niche où il y a leur litière, je vais faire en papier Velleda. Comme ça sera hyper bien collé au mur. Et donc là, on aura la paix, et ça fera plus joli et on n'aura pas des petites tapisseries arrachées. Parce que bon, je préfère avoir la tapisserie arrachée que pas de lapin, mais je préfère pas avoir de tapisserie arrachée du tout. Voilà, donc ça, je l'ai payé, je crois, 3 euros, c'est ça? Parce que ça, on n'a pas le Je crois. ticket, hein, donc Ouais. c'est ça qui est embêtant, mais on s'est mis d'accord. Ensuite, on a pris un shampoing. Ben, c'est pour blond ensoleillé, camomille et miel de fleurs. Parce que je vais repartir, je ne sais pas encore. Soit dans des mèches blondes, soit refaire une teinture avec du blond. Ninon, elle hésite aussi à faire ses. Vas-y, explique, hein, tant qu'à faire. Alors, les pointes dégradées avec une couleur. Voilà, donc ben, au début, elle m'a dit blond aussi. Après, peut-être, elle fera une couleur Ouais. dessus. Donc, enfin bref, il nous servira bien. Et puis de toute façon, qu'est-ce que ça fait? On est brune, on a le droit de se laver avec de la camomille. Hein, voilà. Donc ça, c'était 1 euro. Pas cher, hein. Bon, c'est petit Marseillais. Ensuite, je suis tombée sur ça. Mais ça, c'est juste un coup de cœur parce que je suis fada des bocaux. Donc ça, j'ai pris grand modèle. Et si tu peux montrer cela. Donc plus petit modèle, j'ai pris les deux sortes. Donc le grand était à... 5 euros, je crois. Ouais, c'est ça. Et cela, 3 euros. Voilà, 5 euros, 3 euros. Donc en fin de compte, on peut noter ce qu'on veut. Donc tu montres un petit toi. Bon là, ils sont emballés. Le couvercle est emballé. Mais là, sur la petite étiquette noire, on peut noter ce qu'on met dedans. Et ça va embellir la cuisine avec un peu de chromé tout au-dessus. Toi aussi, t'as dû pour noter un, je crois. Donc, grand modèle, petit modèle, on pourra alterner un sur deux. Et je pense que ça fera joli sur le dessus de meuble. Ouais. Bon, toi, t'aimes bien les bocaux aussi, de toute façon. Donc, en fait, on a à peu près les mêmes goûts. Hein. C'est vestimentaire moins, mais tout le reste, on est quand même fort proche. Hein. Donc voilà, donc ceux-là, ce sont des 550 millilitres et ceux-là des. 350 millilitres. Voilà, donc bah, c'est quand même pas mal. Hein. Même des fruits secs, des choses comme ça. Alors, voilà. Donc là, c'est tout ce qu'il y avait chez Cadestock. Après, j'ai pris une toile cirée pour ma nappe. Mais là, je sais même pas vous dire le prix. Donc, Je crois que c'est même c'était pas. 3 euros, il y avait marqué à côté 3 euros le la mètre? nappe. Ok. Donc, voyons voir. Ça fait de la toile cirée comme ça. Donc c'est Thibaut et Ninon qui ont choisi pour la nouvelle table de cuisine. Donc voilà, donc là c'est tout ce qu'on a eu chez Cadestock. Maintenant, on va passer à Leclerc. Donc chez Leclerc, en ce moment, ils font de grosses promos plutôt, sur tout ce qui est produits de toilette, produits de beauté et ainsi de suite. Donc là, ben, on s'est fait vachement plaisir. De toute façon, c'est toujours pour nous. Donc, eh ben, on va y aller. On est parti. On vous montre ce qu'on a trouvé. Donc, en premier, on a trouvé des savons dermatologiques. Parce que, vous voyez, sur mes bras, j'ai
des taches, des plaies. Et donc, c'est dû à une maladie auto-immune. Donc, la dermato m'a dit qu'il fallait que j'achète du savon dermatologique qui ne sont pas pour le gel douche et ainsi de suite. Bon, ma foi, j'avoue que ça se rince mieux le savon. Mais de cette, là, j'ai fait le coup. Visage et corps, enlève les impuretés et hydrate. Aux huiles d'avocat et d'amande douce. Savon à base végétale. Donc là, j'en ai pris deux. Et le prix du savon, Ninon, donc? C'est 34 centimes. 34 centimes le savon. Bah alors, celui qui se lave pas, qui pue, il fait exprès. Hein, je suis désolée. Ensuite, on reste dans les savons. Alors ça, c'est plutôt pour Ninon, Corentin, c'est l'adolescent. Le savon sur gras, c'est en général le mieux. Et Corentin, il y a des problèmes un peu de psoriasis. Et le savon sur gras, c'est le top. Donc, j'ai eu le Diadermine. Alors, vous allez dire que je fais de la pub, mais c'est pas ça. Je me suis rendu compte qu'en fin de compte, je me suis jetée sur Diadermine, quoi. Il y avait tout ce que je voulais, tout ce qu'on veut, hein. Mais je suis partie tout sur la même gamme, quasiment. Donc, visage et corps, nettoie la peau en douceur et hydrate, la protéine, à la protéine de soie et à l'extrait de calendula et à base végétale. Donc, voilà. Un pain de 100 grammes. Donc, le prix est de 40 centimes. donc 40 centimes, j'en ai pris deux également. Donc ça, c'est pour ce qui est des savons. Ensuite, quand on est invité ou des trucs comme ça, parce qu'en général j'évite de mettre ça, toi aussi t'en mets pas vraiment, Ouais. mais quand on est invité ou quoi, voilà, si on se fait une coiffure, on veut que ça tienne. Nino, elle aime bien aussi coiffer, elle va peut-être partir en coiffure, on verra encore, elle va en. C'est normal, elle est jeune, elle va décider, ça va venir. Et si elle fait ça, mais pour l'instant, elle s'entraîne quand même sur ça, tête à coiffer, professionnelle. Ouais. Donc, si elle lui fait des boucles, eh ben, elle en a besoin quand même. Et là, ça yosse, donc la laque, tenue 48 heures, donc comme c'est même des vrais cheveux sur la tête à coiffer, ça fonctionne très bien, ouais. Ouais. On peut la laver, elle peut tout faire. Et donc ça, la laque, elle était de combien? 96 centimes. Alors, 87 centimes pour un grand modèle de 400 ml. La fixation, elle est 4 sur 5. Franchement, il y a pas, c'est génial, quoi. Et ça y est, c'est une bonne marque. C'est ce que je prends tout le temps au niveau coiffure, au niveau laque. Donc voilà. Ensuite, on repart sur les Diadermine. Donc, j'ai pris une lotion tonique apaisante, peau sèche et sensible. Donc, pour bien hydrater. Donc là c'est un 200 ml, tonifie, hydrate, prépare la peau à la routine de soin. Donc ça, j'en avais plus du tout depuis un moment et franchement ça fait du bien quand même. Donc ça, nous on partage hein, les produits. Hein. Donc celle-là, elle est à combien? 1,01 €. 1,01 €. En vrai, c'est vrai qu'il pouvait pas mettre 1 € quoi, mais ah, on va pas se plaindre. Tu verras les économies que j'ai fait à la fin. Ensuite, on a aussi pris du dissolvant douceur. Donc, d'habitude, là, dernièrement, je les prenais à Lidl. Mais là, concrètement, en plus, c'est douceur. C'est sans acétone. Enlève efficacement le vernis à ongles. Prends soin des ongles. Ongles fragiles, parce que on a tous les deux les ongles cassants. Faut pas se le cacher. 125 ml. Bon, c'est pas mal. Parce que bon, on va dire que tout dans la semaine, au minimum. En général, c'est minimum 2 fois je change mon vernis. Souvent, c'est tous les jours parce que je fais des choses et que ça claque direct. Nino entre deux le fait aussi, donc ma foi, hein. Et ongles fragiles, peut-être ça nous fera du bien. Donc ça, celui-ci est à combien? Alors, le dissolvant est à 85 centimes. 85 centimes. En vrai, il est encore moins cher qu'à Lidl, tu vois. Et celui de Lidl, je trouve, il est bien, mais il t'irrite les peaux du contour quand même. Tu trouves pas, toi? Je suis Il est pas sûre, fort, je ouais. trouve, quand même, comme dissolvant. Bon, ma foi. Celui-là, on va le tester, on vous dira quoi au pire, si on fait même un petit short ou quoi. Donc ensuite, on part sur une crème désincrustante Neutrogena anti-point noir. Parce que voilà, tout le monde peut avoir des points noirs à l'adolescence, hein.
Les points noirs, ben voilà, ça arrive. Les garçons ici, c'est eux les plus sujets aux points noirs. Pas nous les filles, mais les garçons. Donc je leur ai trouvé un anti-point noir crème nettoyante désincrustante de Neutrogena. Acide salicylique, déloge les points noirs, empêche leur réapparition, lisse le grain de peau. Point noir récurrent. Bah ouais, voilà, c'est ce que papa il a. Donc automatiquement, je pense que ça sera super au niveau nettoyage. Donc celui-là, je lui mets à combien? Alors, la crème de... 1,58€. 1,58€, c'est rien du tout, quoi, quand ils pensent au prix des trucs. Ensuite, le Déobi. Bah, ça, c'est un pour Nino, un pour moi, parce qu'on en a... Ça, toi, tombe bien, c'est par le 2. Donc, le Déobi Narta Protection 48 heures. Anti-odeur, humidité, picotement, traces blanches et jaunes, sans alcool, surtout. Oh Nino, c'est à l'alcool. Ça pique. C'est affreux. Nous, on supporte pas. En plus, j'en ai acheté il y a pas longtemps au Choix à Grenade. Je me dis, ah, c'était quand j'ai, comme quand j'étais au collège ou au lycée, je m'en rappelle plus. J'aimais bien et tout. Ah ouais, bah, insupportable le truc. Même pas possible de le mettre, ouais. Donc, pour nos deux narteurs. 1,65€. Voilà. Bah, vaut mieux mettre 1,65€ qui coûte rien du tout et avoir. Les dessous de bras sans feu, sans flamme. Alors, ensuite, nous avons de l'eau micellaire. De l'eau micellaire encore de Dermine, je suis désolée. Mais c'est la dernière de cette gamme. Donc, elle est hydratante pour peau sèche et sensible. Elle retire toute trace de maquillage, nettoie votre visage des impuretés, apaise la peau, visage, les yeux, les lèvres. Donc c'est un 400 ml et nous avons payé 1,22€, 1,63€, je sais pas trop. Bon bah quelque chose dans le genre quoi, ouais, 1,22€, je crois. Je sais, il faudrait que je regarde bien sur le truc, mais je crois que c'est ça. Ensuite, on était à la colo, bah de suite je vous ai dit j'allais voir pour le blond. Et ben voilà, ici c'était un pack de deux, c'est blond super éclaircissant, blond très clair, naturel, donc ça pour faire les mèches c'est nickel, ça évite de cramer les cheveux comme avec les décos, hein. Et ben c'est ce que j'avais déjà fait, il fut un temps, ouais. Et ça a bien fonctionné, bon bien sûr après surtout prendre du... parce que ça c'est bien, mais... au moins une fois sur deux de prendre du shampoing violet et bleu là pour éviter que vos cheveux jaunissent parce que sinon ça fait vraiment le canari qui se promène dans la rue quoi. Et là franchement sinon c'est nickel ça. Et ça j'ai payé combien donc les deux? 5,11€. 5,11€ pour les deux, ça vaut le coup. Donc ensuite il nous reste deux ingrédients. Donc une... Ah ouais, parce qu'en fait, j'ai du fond de teint. Le fond de teint, c'est quand même fort, quoi. Enfin, fort couvrant, ça bouche les pores et tout. Je me suis dit, la bébé crème, bah, toi, t'en as déjà, parce que je t'avais conseillé ouais, aussi de prendre ouais. La bébé crème plutôt que du fond de teint. Et je me suis dit, si c'est pour mettre un peu tous les jours, et bah, vaut mieux acheter une bébé crème médium. Pour dire que la peau, elle s'hydrate quand même, elle soit plus lisse comme, bah, que de laisser la peau à l'air. Mais pas non plus encrassée comme avec du fond de teint. Donc j'ai pris de la marque Repair celle-là. Inel, la marque apparemment. Hydrate, unifie, lisse, protège, illumine, elle est 5 en 1, tout type de peau. Testée sous contrôle dermatologique. Voilà. 69 centimes. Alors bon, bah ça va, hein, je vais pas m'ouriner. Et la dernière chose chez Leclerc, c'est un stylo dissolvant. Parce que bien sûr, je sais pas viser. Donc, j'en fous toujours à côté. Donc, ça m'énerve. Et donc, il faut que j'attende après d'aller me laver les mains pour que tout parte. Mais là, bah j'aurai plus besoin, vu que j'aurai mon stylo dissolvant. Et regarde, apparemment, il y a plusieurs têtes. Ouais. Donc, voilà. On pourra enlever nos petites bavures. Donc ça aussi c'est de la marque Repair. Inel pareil. Donc formule enrichie en huile de tournesol.
à 58 centimes. 58 centimes. Donc, ce qui fait que... Allez, ben, chez Claire, grâce aux promotions beauté actuelles, nous avons fait une économie non négligeable de combien, ma petite? 30,83€. Wouh! Et on est contente. Parce que nous, on aime bien les promos. Eh oui. Voilà. Et donc, dernière chose qu'on a fait hier. On est parti là. Et puis, j'ai dit, ah, j'aimerais trop me faire percer l'oreille. Et Ninon voulait aussi faire percer son oreille. Donc, le papa de Ninon nous a emmené percer l'oreille. Il nous a offert le piercing. Il nous a offert aussi bah, le pack duo nettoyant, mousse et rinçage. Ouais. Et puis bah, le bijou qui va avec. Voilà. Donc voilà, Ninon va vous montrer le sien déjà. Donc, elle a fait l'hélice. Donc ça, c'était quelque chose qui était déjà mûrement réfléchi depuis longtemps, n'est-ce pas? C'était pas un coup de tête, hein, d'hier. Et moi, j'ai fait celui-là. Donc, l'industriel. Donc, on voit, Ninon? Ouais, un peu. Donc, l'industriel, là, qui part de là à là. Voilà, bon, là, c'est encore un peu gonflé parce que ça date d'hier. Mais, on le sent déjà que ça va mieux. Hein. Ouais. Voilà, donc la dame très gentille nous a dit que la semaine prochaine, nous devons y retourner afin qu'elle voit si on n'a pas d'infection, que tout se passe bien et tout. Hein. Ouais. Et puis, ben, par contre, on est parti avec ce bijou pendant... Elle nous a dit 6 mois, 1 an, ouais, voilà, quoi. Donc, on va dire au minimum 9 mois, quoi. Donc, c'est un petit bébé, hein. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo... J'espère que cette vidéo t'aura plu et que tu auras passé un bon moment avec les fourzichettes. Ouais. Alors, on vous fait de gros bisous et on vous dit à très bientôt. Ouais, en fait, j'ai encore un truc à dire. Ça faisait quand même longtemps qu'on n'avait pas fait un haul Murphy. Hein. Ouais. Et ben voilà, on était de retour. Alors à bientôt les amis, gros bisous. Faites de beaux rêves. Bonne soirée, bonne nuit. À bientôt. Bye bye. Bye bye.